Est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'en tant qu'agent de maintien d'ordre, il doit et devait être partout pendant cette manifestation? En faveur de maintien d'ordre, on n'allait pas avoir de victimes là-bas ou bien de morts et des choses. Ça, je sais. Mais si c'était dans le cadre de maintien d'ordre, on n'allait pas avoir de victimes, de morts aussi. Bien. Deuxièmement, en tant qu'agent sensibilisateur, est-ce que ce n'était pas normal qu'il soit aussi partout? Ça, ça peut être, ce n'est même pas à Conakry ici seulement. On a l'habitude de le voir à Zérékoré, à Lola. Donc, il confirme que tous les Guinéens, voilà, même ceux qui sont au niveau des frontières, ont vu Tiéboro à la télé en train de sensibiliser et partout. Il est d'accord? Tiéboro, ministre, il est dans toute tendue du territoire de Guinée. Tiéboro est ministre. Il va sur toute l'étendue du territoire guinéen. Même s'il n'est pas à Zérékoré, il se trouve qu'il est représenté là-bas parce qu'il a son agent là-bas. Voilà. Donc, il est aussi d'accord avec moi qu'on n'a même pas besoin de dire qu'il est l'homme d'Orga Ormendes. Mais tout le monde sait que c'est lui qui devait être partout pour sensibiliser. Je sais qu'il a sensibilisé, il faisait la sensibilisation, mais le jour du 28 septembre, les gens ont été blessés, fracturés, les gens sont morts. De vous demander si c'est la sensibilisation, ça aussi. Est-ce qu'il est d'accord avec moi s'il accepte de quitter dans sa peau de victime que si tel qu'il dit est vrai, comme quoi, si vous rentrez, vous allez le regretter. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que ces genres de propos sont des propos populaires en Afrique? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Aussi tay do ngande are ko kongu di ko yewtete kon enen ele di bale Afrique do wono innugol so innati kala ko yibdon ko dun non o dun non no dun don hare dun non no wole ne ko le dum fo enen kamendo ah ko menen ko min de nyane ko mese ke boromi naniri. Bon, c'est vrai que peut-être que ça peut dire partout. Mais ce jour-là, moi, je l'ai entendu de M. Kegourou. Si cela, ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il est d'accord avec moi que le père de famille dit à son enfant, si tu ne fais pas, tu vas récolter les conséquences? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Il va redresser son enfant avec un foyer. Peut-être le père de famille peut le dire, mais peut-être il va arrêter avec son enfant, avec les fouets pour chicoter. Mais M. Kebro a envoyé les filles avec les matraques, avec des couteaux contre ses enfants. Monsieur Kebro, lui, a envoyé les matraques, les couteaux, les fusils contre ses enfants. Est-ce qu'il est aussi d'accord avec moi, même s'il n'était pas partout, malgré même qu'il soit au niveau simplement de la pharmacie, mais supposons qu'il a été partout, est-ce que c'est anormal? Qui vous voulez parler de qui? Je parle de Colonel Tiéboro. Monsieur Kebro, on a dit de tourner de Banyaki. Lui, il tournait là-bas, ils étaient là-bas comme des abeilles.
Les véhicules, il a des véhicules sortis d'usine, il a des enfants avec lui, il tourne partout, il ne paye pas les transports, il ne paye pas les carburants. Il avait vécu sorti d'usine, il avait des enfants, il ne paye pas le carburant, il tournait partout. Bien.